I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see. Bonjour tout le monde, donc on se retrouve encore pour une petite vidéo blabla à propos du concours. Oui, je sais, je vous bassine avec depuis la semaine dernière, ça fait, je vous en ai pas parlé tout le long. Tout le long du concours, et là en l'espace d'une semaine je vous mets deux vidéos. Et oui, alors là je suis vraiment désolée, mais alors beaucoup désolée, je m'en excuse. Je vais devoir reporter le concours, donc pourtant j'avais dit que je le reporterais pas du tout, patati patata, parce que c'était l'anniversaire. Ouais, j'ai fait ma charouette, mais en fait tout simplement pourquoi je reporte le concours. Donc tout simplement parce qu'avec les vacances, la rentrée scolaire, donc vous avez pu voir le vlog, les départs, mon départ chez Charlène, mon retour chez Charlène, après j'ai enchaîné avec l'anniversaire à Lana, et on a enchaîné avec la rentrée scolaire. Vous avez pu voir sur mes vlogs comment je speed. J'ai rencontré aussi deux personnes qui me suivaient, donc trois personnes sur deux jours, des personnes qui me suivaient, qui d'ailleurs ça m'a fait énormément plaisir, mais avec tout ça j'ai pas eu le temps de faire les créations pour le concours. J'ai fait 17 ATC, si je me trompe pas, j'ai dû en faire 17 il me semble, parce que j'ai dû en faire 6, j'ai dû en faire 6 et 5 je crois, donc j'ai dû faire 17 ATC et vous êtes déjà 34 à être avoir participé, donc il me reste encore pas mal d'ATC à vous faire. Il me reste aussi les créations que je n'ai pas du tout le temps de faire. D'ailleurs, il faut que j'aille à l'action chercher un pinceau, parce que j'ai utilisé mon dernier pinceau pour Cynthia. J'ai bien pensé vous mettre dans le lot celui que j'avais fait pour le challenge 13 arts, mais je me suis dit que ce serait peut-être déplacé. Enfin, j'aurais voulu faire quelque chose pour l'occasion. Donc, du coup, je me vois obligée en fait de reporter, donc jusqu'au 23 septembre, qui sera aussi une date importante pour moi, puisque ce sera l'anniversaire de mon papa qui n'est malheureusement plus avec moi, donc on reste dans les dates importantes. Donc justement, en plus, faire un live ce jour-ci avec vous, ce sera une occasion pour moi de penser à autre chose. Vous me changerez les idées. Ça, et du coup, donc oui, donc je garde quand même le live donc de cet après-midi. Donc moi je vous tourne cette vidéo samedi, vous l'aurez mardi matin. Moi on se retrouve quand même à 13h45, 14h, on va dire plus 14h, quand je vais faire mon café, de remonter et tout, 14h pour un live. On va quand même ensemble blablater et discuter un petit peu, il y a longtemps après tout, voir comment s'est passée la rentrée pour vos enfants, pour vous si vous allez à l'école, si vous venez juste de reprendre le travail et tout, enfin voilà. C'est l'occasion de blablater, on va reprendre les bonnes habitudes des lives quand je serai toute seule, tranquille, à la maison. Donc ça, j'ai encore reçu, vous voyez ici, deux participations. Il faut à tout prix que j'envoie des mails pour dire aux personnes que je les ai reçues. Donc là, vous aurez encore une balle que j'ai déjà tournée dimanche. Ça, ce sera encore dans une autre balle. Donc, j'ai déjà encore 5 colis. Donc, je ne sais pas si je vais vous la mettre dans la semaine aussi ou si je vais vous la mettre la semaine d'après. Ça va éloigner encore pas mal. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser parce que là, tout arrive à la fin en fait. Donc, voilà. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, j'ai reporté le concours. Pourquoi ? Parce que j'ai pas eu le temps de faire les créations. Oui, et personnellement, je ne me vois pas faire un tirage aux sœurs si je n'ai pas les lots à vous montrer. Je trouve ça bête. Je trouve ça. Enfin voilà, si vous êtes tirage aux sœurs, je pense que vous allez vouloir voir ce que vous avez gagné, non ? Enfin, moi personnellement, ce serait mon cas. Donc voilà, j'espère que ça ne dérangera personne que je reporte. J'ai vu aussi sur certains commentaires que je crois que je n'ai pas encore le temps de répondre. Ou que j'ai déjà répondu, je sais plus. J'ai la tête à l'ouest, je vous jure.
qui n'avaient même pas vu d'ailleurs que je faisais un concours. Donc du coup, ça va être l'occasion pour ces personnes-là de participer. J'en ai une aussi qui m'ont dit qu'avec les vacances, elle n'avait pas eu le temps. Du coup, sur le poste, ça m'a dit qu'elle allait pouvoir participer. Donc voilà, ça laisse une dernière chance à ceux qui n'ont pas eu le temps avec les vacances et autres de pouvoir participer, de participer. Mais je suis vraiment, vraiment désolée. Là encore cette semaine, donc là, regardez, on est samedi, j'ai dit. Lundi, l'école, pour vous dire que je suis super à la bourre. J'ai acheté un agenda comme ceci à l'ANA pour customiser. Donc nous sommes lundi, elle attaque l'école dans 2 jours. Je ne l'ai pas encore fait. Donc voilà ce que je vais faire demain. Donc je ne sais pas encore si je vais vous le filmer ou pas, mais c'est ce que je vais faire, customiser l'agenda de l'ANA. Je pense vous le filmer. Ce sera une petite vidéo rapide, mais je pense vous le filmer. Donc voilà, pour vous dire que je suis à la bourre, il n'y a pas que sur ça. J'ai un album photo à faire aussi la semaine prochaine parce que samedi c'est l'anniversaire d'une amie et je voulais lui offrir un livre et un album photo donc sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Vous avez pu voir sur ma vidéo Haul Horizon Créatif, je ne l'ai pas encore commencé. Donc c'est pareil, mercredi je vais me donner ma journée pour faire justement cet album-là. Vous ne l'aurez pas en tuto, je ferai juste une vidéo présentation, je ne sais pas encore comment sera l'album. Donc je vous ferai une vidéo présentation et par la suite je vous ferai un tuto si ça vous intéresse. Là je sais que vous voulez un tuto sur la vidéo, l'album de Charlène. Donc ce sera prévu aussi. Je sais déjà sur quelle collection faire. C'est une collection que j'avais achetée l'année dernière de chez Simple Story, collection automne. Donc qui va aller tout à fait dans le thème en plus. Donc c'est juste parfait, je dois avoir largement ce qu'il faut au niveau papier. J'ai les shipbirds, les stickers, j'ai tout, donc je vais être nickel pour pouvoir le faire. Donc voilà, voilà pour ça. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de ce fameux concours. Comme je vous ai dit, c'est vraiment une toute petite vidéo qui dure pas très très longtemps pour vous dire ça. Donc moi, je vous fais plein 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 de gros bisous. Je vous dis à très vite et très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et vous le savez bien, c'est une vidéo par jour. Pour le moment, je fais. Et c'est un challenge pour moi. Je sais que si je publie pas une vidéo, j'ai peur que vous vous ennuyez. Surtout que voilà. Charlène, t'as pas payé le bill aujourd'hui? Ah non, j'ai pas eu le temps, excuse-moi. Je me suis fait disputer jeudi parce que j'avais pas de vidéo. Vous vous rendez compte? Mais c'était de sa faute, elle était pas prête. Trêve de plaisanterie. Donc oui, il me reste encore pas mal de petites choses à faire. Et voilà, donc j'ai même fait une nouvelle organisation. Donc là, ça va démarrer à partir de demain au 1er septembre. Oui, je sais, j'avais dit que le bullet journal, c'était pas pour moi. Alors là, c'est pas dans un bullet journal, c'est dans un classeur où j'ai répertorié en 3 parties, famille, YouTube, le livre. Et j'espère que ce coup-ci, j'arriverai un petit peu mieux à m'organiser. Et on verra bien ce que ça va donner. On croise les doigts. On croise les doigts. Allez, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ah non! À tout à l'heure pour le live. N'oubliez pas, 14h, un café, un live, beaucoup de blabla et de la Volvic. Je vais noter sur ma liste de courses. Volvic. Allez, bisous bisous.